dans la commune Tabar, certes, mais pas jamais un bout de taxe. Nous pas collecter un bout de taxe. Moi même si nous avons si nous avons suggéré un programme pour question airport, moi pense que airport a supposé qu'il y a un service de, qui fait assainissement. Ou bien même si son compagnie privée que t'es capable de prendre, ou bien que t'es capable d'aider Mérian, parce que Mérian n'a pas assez de moyens pour prendre toute charge. Ça, pendant que Airport, c'est un gros institution. Moi, je connais que c'est un contrat au public, certes, mais lui-même, il est autonome, il y a des corps qui rentrent de la donne. Ce qui veut dire que, j'aime dire, l'État central va différent de l'État local. Là. Nous, t'es capable de mettre tête nous ensemble pour être capable de faire un gros travail. Si Airport a toute charge, Airport, que t'es route, qui c'est un boulevard lié, qui passe contre les mairies d'abord. C'est l'État central, travaux publics. Si travaux publics pas moyen, bah quoi, mairie a une expertise assez. Non seulement expertise, mairie non plus pas les moyens pour capable faire ni boulevard ni route nationale qui c'est attribution l'État central, travaux publics. Et puis pour question fadra, j'aime bien dire, je pense que l'Airport est capable de gérer ça ensemble avec mairie. Et mairie n'a pas fait pour contre. Et pour question de temps, nous allons parler de ça déjà. Pour raison de sécurité, nous connaissons l'airport là. L'airport là, ça a été 10 mois de cela, depuis que l'airport là a fait appel avec Mérian. La question, il a fait tout de contrôle là. C'était une firme française. Nous connaissons avec BID qui finançait, qui a fait tout de Mérian pour demander dans quel moyen il est capable d'aider l'airport là ou faire mounir décoller caillou à 2 mètres de l'airport là. Là, avec récent événement qui est passé, nous avons tout le monde et puis nous avons vu que les mairies ont commandé pour éloigner à 6 mètres de l'airport. Bon, c'est dans la commune, l'airport est, et c'est un aéroport international. Moi, je pense que c'est une question de sécurité nationale. Moi, je crois que les mairies ont de bons droits pour être répondre présent et pour être capable d'aider. Les mairies n'ont pas crasé le cas, les mairies ont identifié. Qui a plus de 6 mètres que vous demandez, hein, et puis Mérian lui-même l'a marqué. À partir de ça, nous convoquons plusieurs fois propriétaires de Kaysaro que nous identifions. Nous venons à Mérian, nous faisons même 4 réunions avec eux. Et à partir de là, nous prenons toutes les données de Kayo et puis nous protégeons avec les techniciens du ministère des Finances et qui fait une évaluation. Évaluation va faire, puis on dit que Kaysaro a fait 20 ans de sa cimenté, mais 20 gouttes. Nous faisons évaluation en temps réel. Si ciment vend $300, on fait évaluation que ciment vend $300 et que on baille moun nan. Majorité moun sa malheureusement pas de bout de papier. Yo pa gen permis de construire, yo pa gen titre de propriété, yo pa jam paye taxe même yon jour, yo pa paye de l'eau, pa paye courant, c'est des moun ki tap viv. À la merci de l'État. Vous comprenez? À la merci de l'État. Et moun sa nous pas même tenu compte de ça. Yo paye moun yo re yo dédommagé yo et yo et majorité moun à 98% moun sa satisfait de l'évaluation. Pa toujours ka gen moun ki insatisfait. D'ailleurs le t'a fait évaluation, c'est pas comme si c'est Mérian qui t'est allé et c'est sous déclaration moun nan que fait. Peut-être que moun nan des fois gen moun qui t'est mal déclaré ça ou rien et puis yo fait sous base ça. C'est ça fait que nous t'ai quelques moun qui est content. Mais moi m'a dit nous ça nous connaît haïtien pareil non à 90% moun qui t'est venu dans mairie qui dit caillou crasé c'est pas vrai. Mairie crasé caillou c'est 183 caillou qui t'est dans liste. Comment nous ca comprendre? Nous avons une liste de 183 caillou pour nous ta crasé et puis il y a plus que 660 moun en plus qui vient dans mairie qui dans registre dit caillou crasé. C'est pas possible. Ça veut dire que et moun ça on pas connaît que au départ nous avons déjà fait évaluation, même là, pas de problème, non, évaluation est déjà faite. Il y a quelques mouns, il y a à peu près 53 cas qui crasent. En plus, c'est parce que le pour te faire route dans deux communes fourrant, ils ont été obligés de faire passage pour deux belles excavatrices qui passaient. Ils ont crasé, ils ont un espace qui est à peu près 50 ou bien pas connaît combien de cas qui gagnent. Et puis il y a une trentaine de cas qui sont dommages pour la terre au fait, parce que leur crasé gros caillot, il y a de petits masures que. Caillou tombé, nul tombé sous lui. Ce qui veut dire que nous bien aimé de ça et dans deux comme une fois, au lieu de 6 mètres, nous prenons 35 mètres. C'est ça qui fait que les détails et nous évaluer. Et ce n'est pas comme si l'évaluation faite comme ça. L'évaluation faite avec drone. Nous bien faire. Ce qui veut dire que tout le monde qui a pris les 600 premiers mondes qui a pris l'équipe d'enregistrer qui dit qu'il a écrasé, la majorité de monde qui a pas écrasé. C'est des gens qui ont pris. Et le programme projet, ça, la continue toujours. Nous faisons écraser 183.
CAIO et nous faisons de concert avec le ministère des Finances, AAN, OFLAC, ministère de la République et du Bénin. Et nous avons une quantité de CAI qui est pour craser. Toujours dans le moment là, dans la phase d'évaluation, nous ne pouvons pas craser CAI, nous ne pas évaluer. À moins que un accident, j'en dis un qui est dommage pour la PO. Mais tout CAI qui est crasé, c'est les CAI qui sont évalués déjà et qui est dommagé. Nous avons une copie de chèque dans la main, nous avons crasé CAI, nous avons envie de la mairie, il prend un chèque là. Il prend un chèque là normal. Ce qui veut dire que le travail a été bien fait, nous avons fait des mon abus. Et je pense que c'est une rare commune côté que. Ils ont crasé CAI dans la question de sécurité et les gens ont dédommagé. En plus, les gens dans leur commune, ils ont largué deux bras, ils ont quitté CAI, ou bien CAI ont crasé, CAI ont brûlé, ils n'ont pas eu aucun dédommagement. Moi, je me tiens à ça que les gens sont capables de nous dédommager en quelque sorte. En tant que magistrat, tu es à la fête demain. Là, nous connaissons qui j'ai question de sécurité. Quand même, le monde n'a mouru, il n'y a pas de temps, nous même qui tuer, pour nous tout connaître que moi, si pas de monde dans la communauté qui relève, qui dit mais rien, il y a un motel côté pour y aller lever. Ça veut dire que pour question de moi, au cas où, le matin à 6h du matin, on est mort, c'est pas nous même qui tuer le monde. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas attendre réel que le monde n'a mouru pour nous lever. Sinon, même dans la population, nous ne pouvons pas réellement pour nous dire mais on va y passer. Mais on mort tel côté, mais rien, pas connaître parce que mais rien, pas tout côté à la fois. C'est ça. Pour que son fadra, je me dis non, a toujours un fadra, tout ça toujours bien monde dans la commune. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui créons fadra, c'est pour la population qui crée fadra. Il y a un service boire qui l'a pour ça. Service boire ramasse fadra, chaque jour fadra. Et de nous, on fadra dans la rue, ce n'est pas parce que nous avons fait constat nous-mêmes, ce n'est pas parce que fadra va ramasser. Pour ramasser fadra là, à midi 10, il y a des gens qui viennent jeter fadra. Ok, a toujours des gens qui ont ramassé Fadra, toujours des gens qui ont pété Fadra. Mais le nous pas ramasser Fadra pendant un jour, bien pendant deux jours, le que vous pas le jouer pendant six poutiers, n'a pas de différence. Si Fadra pas ramassé dans le moment que nous pas le jouer, nous n'a pas de vol Fadra qui vient. Fadra, c'est nous, même population tout seul, et mairie a toujours la ramasser Fadra. Fadra toujours ramasser chaque jour, Fadra toujours la chaque jour. Tout, autant que les gens. Et surtout qu'on est avec un problème marchand. Tout côté, parce que nous avons quitté en balade pour insécurité, nous avons tous, la majorité, nous avons venu à bord d'Elma. D'Elma, qui ne connaît pas bien Fadra, je dis oui, d'Elma, comment ça bien Fadra, parce que le magistrat lui-même fait ça le capable. Mais autant que bien monde a fait Fadra, autant que Fadra a fait. Et je nous dis, nous avons fait une politique Fadra, tout le temps, pas bien, il y a un site de décharge qui l'a pour ça, pour faire valorisation Fadra, autant que nous avons une population, autant que nous avons un problème d'éducation, et autant que Fadra est toujours là, et nous-mêmes mérions, autant que nous ramassons Fadra dans la mesure que nous sommes capables, nous sommes conscients de ça, et nous avons pris l'effort pour ça. Merci. Mais malheureusement, nous connaissons comment le pays a avancé en termes de problèmes d'insécurité que nous tous connaissons, qui a traversé dans la zone métropolitaine, ou bien un peu partout dans le pays. Nous t'es campé. Et le programme, ça, c'est un programme qui t'a coûté nous en pile comme tout. Nous connaissons même l'État à genoux, dans le moment où on a parlé là, mais l'État communal n'a pas campé. Nous obligés, nous pas qu'à mourir. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes proches de la population. Tout ça qui vient, c'est nous-mêmes pour qui fait tout ça nous capable pour nous capable porter minimum ça nous capable porter en termes d'infrastructure ou bien en termes de services à la population. C'est la raison ça qui fait nous faire appel avec OIM qui lui-même te répond présent comme d'habitude. Nous toujours travaillons ensemble avec OIM, avec PADF et dans le programme QRSA, OIM te répond nous positivement. Il était supposé commencer avant la saison plus de santé commencer depuis le mois de novembre. Nous faisons pour nous décurer tout le canal et nous connaissons le tabac qui est le problème qui est dans le tabac. Malheureusement, le tabac, la position géographique, est situé en aval de plusieurs autres communes dans la zone métropolitaine. Ce qui fait que depuis que le tabac, même le nous fait naître des problèmes de leadership, on n'y a pas jamais fait dans la commune. C'est toujours mairie qui a fait avec le peu que ça a gagné et qui est capable de travailler. Mais travail, ça, on passe contre mairie. Et c'est la raison ça qui fait nous faire appel avec OIM. Heureusement, je réponds présent. Nous allons lancer le jour officiellement. À partir de lundi, nous allons mettre tout le monde dans la rue, nous avons fait curage manuel et puis nous avons fait curage mécanique. Parce que nous avons des canaux qui
y a besoin de quatre pour qu'il rentre en bas, ça c'est manuel, et puis il y a besoin de pelle mécanique pour qu'il fasse le travail mécanique pour être capable d'avancer et efficacement. Alors c'est ça que nous-mêmes au niveau mairie que nous devons faire la presse connaît. Et puis faire tout le monde dans la communauté connaît. Il y a un peu de monde qui construit des ponts sur le canal que nous demandons depuis novembre pour écraser pour ça. Malheureusement, nous avons un peu de monde qui écrase, il y a un peu de monde qui pas écrasé. Nous tout lancer appel ça, monde qui peut faire ça, pour y faire. Sinon, mais rien avec telle mécanique que nous gagnons à écraser pour yo et puis pour nous capable curer en bas. L'inconcevable pour nous même faire un pont pour rentrer la caillou et puis pour obstruer le canal yo et puis le lac lui en venir, il tellement pas de espace pour le passer, il est obligé prendre route. Et nous connaissons asphalte pas mélangé avec l'eau. Tabac plusieurs fois l'intervention qui fait non seulement au niveau mairien et au niveau de l'État central dans le temps. Même si nous connaissons jamais l'État central absent, il y a un bon petit temps que nous absent. Mais chaque fois que le travail ça vous fait au niveau de route, il y aura pas le temps de bien seul la pluie qui est écrasée parce que l'asphalte n'est pas mélangé avec l'eau. Depuis le canal n'est pas curé. On a toujours un problème de l'eau qui envahit l'asphalte, envahit route. Bien que le tabac est mal construit, parce que il y a un pile de monde côté où on est supposé construire. Ils ont construit malheureusement, à l'insu même de mairie, ou bientôt avec mairie, malheureusement. Mais Mounsayo, nous ne pouvons pas toujours quitter le tabac dans l'état de l'air. Mais bien content que nous passions le tabac, nous voyons dans quel état de délabrement. Non seulement, route n'est pas faite et puis il y a un pile déchets tout côté dans la rue. Nous travaillons chaque jour, mais malheureusement, avec question d'insécurité, nous ne pouvons pas jeter. Seul côté de l'État pour jeter, c'est notre routier. Nous avons plus de deux mois depuis que la mairie n'a pas jeter. C'est à chaque fois qu'il y a un petit passage, nous faisons effort pour le jeter. Il y a un pile camion qui est kidnappé, il y a un pile chauffeur qui est kidnappé. Ça vient faire que tout le monde peut le jeter pour passer sur le soleil pour le jeter. Alors bon, moi-même avec excusé toujours, comme toujours, avec excusé nous de l'état que la commune n'est pas seule commune là-bas, toute commune zone métropolitaine, ils n'ont état de délabrement, magistrat, ils ont fait ça, ils sont capables, mais malheureusement, nous connaissons, sécurité, c'est pas un seul monde, c'est un travail conjoint que lié. Nous remercions encore la police pour l'effort que vous faites. Nous n'avons pas dit que vous avez fait effort, mais pile effort qui fait dans le dernier moment ça. Nous remercions la police et ce n'est pas faute de tout. Nous comprenons que il y a un problème logistique qui fait que vous n'avez pas capable de résultat maximalement. Nous espérons que dans le jour qui vient, le travail ça que nous avons besoin de faire au niveau de curage pour nous ajouter, ça n'a pas fait avec présence de la police. Depuis le mois dernier, nous avons commencé avec l'ingénieur Watson, qui est directeur général municipal. Nous avons campé le jeudi avec les questions de sécurité et les questions de moyens. Parce que les moyens mairiens ne suffisent pas suffi pour nous faire un gros projet. Nous avons campé son projet qui a continué dans le temps. Parce qu'avec MOIM, et puis nous avons l'autre partenaire qui voulait impliquer dans le projet, j'en dis, nous toujours travaillons avec PADF. PADF relaye nous que lui-même tout voulait impliquer la donne. Même si le pourquoi, mais il voulait impliquer la donne. Et m'a profité pour la presse pour nous dire que PADF pas campé, nous avons besoin d'être là. Et tout le temps que le canal ça a procuré, même s'il prend un mois, deux mois, trois mois, OIM, pour mettre que la continue jusqu'à ce que nous finissions avec le curage canal ça que nous gagnons, qui gagne longtemps que nous pas curé. Et puis pour question l'argent, moi pas capable de montant précis à cause de ce que nous avons continué dans le temps, mais pour le projet que nous avons, c'est un projet qui est évalué à plus de 20 millions de gouttes. 20 millions de gouttes, ça n'a pas dit non si oui ou non que c'est 20 millions de gouttes qui ont même appliqué. C'est parce que le problème, c'est la mairie, on va tout profiter de ça. Parce que moi, j'ai une mauvaise habitude depuis nous parler de chiffres. C'est comme si la population tout connaît que le problème déjà dans le monde. Le problème pas dans le monde. Lorsque vous avez un projet à ONG, ONG va avoir le problème. ONG exécute le projet, vous dites oui que vous acceptez, mais le problème va venir dans le monde. Vous même nous avez une liste de ce qu'on a besoin et puis eux-mêmes directement ils traitent avec nous. Même les gens qui prennent dans la rue, c'est OIM qui a payé, c'est la mairie. Mairie n'a pas de compte dans la mairie. Au niveau de matériel de location, c'est la mairie qui a loué. OIM directement traité avec concessionnaire, avec Mounsayo, que c'est OIM qui a payé. Mairie, ils ont un bout de pavillon sous compte mairie de ONG.
Faut nous bien comprendre ça. Projet a été soumis à plus de 20 millions de dollars. Ils ont dit oui à financer, mais comme là, ce n'est pas mairie que y a bailli. Il a fait directement avec tout le monde. Yeah. Tu as fait route Cala 2, route Tabar 25 qui coûtait plus de 100 combien millions de routes que nous faisons avec recette mairie. Depuis avant que nous faisons route là, nous écrivons dîner pas pour nous dire nous allons faire route là. Si on gagne, on tue, n'importe ça, on gagne pour passer. Mais qui l'entreprise a commencé à faire route là, ils ont même pu faire partie. Ils ne vont jamais répondre. Et puis une fois que nous faisons route là, c'est rétablir, nous allons commencer à craser. Et le craser, ils n'ont pas fait le même genre. Que route là t'es avant, je passe son petit poussière, par contre son petit moitié, on passe, par contre à qui firme que on fait ça, il y a toujours crasé route là, maintenant c'est appel ça encore, même j'en ai fait programme virage ça, si tu n'es pas, t'es capable de même faire un travail en même temps, ou bien il y a juste tapé, mais j'en ai dit, j'ai une pratique par eux, que nous même nous faisons des doyens, c'est pas seulement au niveau militaire, moi ouais, même j'en ai d'Elma, je fais même bagarre dans tout. Que travail l'État, nous tout l'État c'est même l'État nous que l'État central bien l'État communal c'est un seul l'État, moi je pense que l'État qui nous toujours travaille nous conseille.